Bon, what's up? J'espère que tout se passe bien. Faites les choses bien. Leg day. Aujourd'hui, si tout se passe bien, même si j'ai un peu mal au genou là, je me suis réveillé avec une petite douleur. On va voir ce qu'on peut faire. Mais normalement, ça va bien se passer. Je tiens à vous remercier hein, pour les commentaires par rapport à la dernière séance immersion. Et j'étais très pressé, j'avais hâte de faire cette deuxième séance immersion. J'avais fait un sondage. Vous voulez écouter toutes les conneries, il y aura toutes les conneries. Parce que c'est important. Là, je commence avec un peu de vélo, tranquillement, sort de même je fais les jambes. On va se faire peut-être 10-15 minutes. Bon, je vais pas te laisser les 15 minutes là, tu vois. Mais ça me permet de faire une petite intro cool. Là, on est dimanche. Toutes mes séances, je te les fais le dimanche. Pour la simple bonne raison que en semaine, je fais pas mes vraies séances. Comme mes séances sont après le taf. Je vais à la salle entre 18h et 21h, tu vois. Il y a un peu de monde, c'est compliqué. La force n'est pas la même. Vu que je dois rentrer à la maison après aller à la salle. C'est compliqué. Ok? C'est compliqué. Du coup, je fais pas mes vraies séances. Et je peux pas filmer. Donc, là, tous les jours de repos et les dimanches, c'est là où je bosse pas. Et c'est là où j'envoie mes vraies séances et je peux te faire des vidéos immersion. Donc ça, c'est bien ça. Je me suis reposé 2 jours. Hier, pas à la salle, avant-hier aussi. Histoire de bien envoyer normalement. Même si je sens que mon corps, il est lourd quand même. Hein, tu vois. Il est un peu lourd. Tout ça, j'ai mis une veste de Kawaii My Protein pour chauffer un peu plus mon corps, mais ça marche trop bien parce qu'en dessous j'ai un haut de compression, tu vois. Et je veux que mon corps soit bien chaud pour la séance jambes, c'est important. J'ai mal, mais c'est en bossant mes jambes que j'aurai plus mal par la suite. Donc on va faire ça bien, comme je t'ai dit, 15 minutes, 10-15 minutes, et puis on se trouve pour le premier exercice. Ok, leg extension. Désolé, on verra pas tout le mouvement et tout parce que là c'est assez serré pour faire un bon cadre. Je mets une charge basse. Je vais faire en unilatéral 10, 10 reps d'une jambe, 10 reps de l'autre jambe et 20 reps avec les deux pour commencer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais monter pour les 20 reps. Je suis à 35 kilos, ça va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Pour bien chauffer les quads, pour espérer faire du squat, si tout se passe bien. C'est important. On va se faire 4 séries, je crois. 14. 15. Ok. On va passer à 50 kilos. 20 reps, ça va être dur. On va les faire de la bonne façon. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait mal, mais ça qui est bon. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé. Pour bien se préparer au squat, je vais essayer de la presse. Ici, ils ont une presse bizarre. Je vais essayer
Parce que squat press, c'est les machines qui me font le plus mal au genou. Donc j'essaie de faire des bons exos de base. Et après, on verra pour squatter press. Sachant que squat, j'ai envie de charger un peu. J'ai pris de la ceinture, j'ai pris des protège-genoux, là, des chaussettes pour les genoux. J'ai envie de charger un peu, vraiment. Allez. Troisième. 20. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je te jure, ça se voit pas sur la vidéo, mais j'ai des bons quads. Là, j'ai pas les bons angles, mais j'ai des bons quads. Alors, on y va, 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il en manque une. Dernière. Dernière. J'ai mal de ouf, vraiment, c'est incroyable. Là, en fait, si je sais que ma manière de m'entraîner, elle va choquer les gens. Parce qu'ici, ils n'ont pas l'habitude de se faire mal. Ici, ils sont là, ils font des séances agréables ici. Nous, on se fait mal. On fait les choses bien, parce qu'on n'a pas le choix. Allez. 8, les gars, c'est dur. S'entraîner ici, c'est dur. Vraiment. C'est pas comme en air. La population, voilà. C'est des gens du cirque. En plus, moi, c'est basic fit de campagne. Tu vois, c'est pas basic fit de banlieue parisienne. De banlieue grande ville. Vraiment. Si on arrive avec des chapeaux de cow-boy, incroyable. 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19, 20, ok, très bien. Oh, on va voir si Scott y passe. Ciao. Est-ce qu'il y a des bons squats disponibles? On va voir ça. S'il y en a, c'est parti pour le squat. Ouais, je trouve un banc pour le squat. Comme ça, je serai bien, je serai tranquille. Par contre, j'ai oublié, j'ai mon pré-workout. Alpha pré-workout, goût fraise de chez MyProtein. Mets le code DAMS. Je sais plus s'il reste du goût fraise, mais bon, s'il reste du goût fraise, c'est le même pré-workout, tu vois. Je devais le prendre après le cardio, j'ai oublié. Après l'échauffement au vélo là. Avant que le pré-workout chauffe, je fais du gobelet squat tranquillement. Oh ouais, je suis là. Ouais. Oh, c'est mort les gars. C'est mon banc maintenant. Fini. C'est parti. Goblet squat et après. Squat complet. Ou alors. Squat barre vide. Hein. Peut-être. Front squat et tout. Je vais voir. Ça peut être bien. Voilà, je vais partir sur du squat. Essayer charge légère et tout. Mais j'ai oublié tous ces exos inutiles qu'il faut faire pour les genoux là. Les exos qui font perdre du temps à tout le monde.
Même si qu'en vrai c'est important. Dès que t'as mal et tout, faire ces conneries-là, faut les faire. Sinon c'est mort. Tu auras des douleurs, après tu seras par terre, tu as crié, il serait énervé. Chaque fois je fais la même chose. Je sais, pour ces exemples-là, j'ai vu des gens faire des choses sur YouTube. Je fais pareil qu'eux. Tu vois, je fais la même chose. Je me dis, s'il l'a fait sur YouTube, c'est qu'il est crédible. Sachant que je vois des gens, ils font des perfs de fou, et ils font ça, donc je fais la même chose qu'eux. C'est simple. Je vois ce que les forts font, et je fais la même chose. Parce que c'est important. Parce qu'il y a plein de vidéos, il y a des gens, ils n'ont pas de corps. Ils disent oui pour faire ça. Non, moi, je suis les gens qui ont des corps, c'est important. Je crois ce que je vois, c'est tout. Je suis un truc par terre, laisse partir. Je sais pas si on me voit bien, mais c'est pas grave. Ah. Par contre, je sens que je vais avoir mal, hein, au squat. Je le sens, je pourrais pas charger. Ça m'énerve. Parce que pour rappel, mon max c'est 10 reps à 150, 152, je crois. 152, 4 fois 10 reps. Je descendais bien. J'étais assisté, par contre. On va pas mentir, j'étais assisté. Mais je descendais bien. Je descendais bien bas, j'étais assisté. 10 reps. Et quand j'ai assisté, c'est pas assisté, genre, il levait la barre pour moi. Non, il était derrière moi. C'était vraiment l'assistance psychologique. C'est comme quand tu fais une perf en développé couché et t'as quelqu'un derrière toi. Bah, c'est pareil. C'est cette assistance-là. Mais cette assistance-là, elle aide. C'est pour ça que je le dis. Parce que si la personne ne serait pas derrière moi, j'aurais pas fait ces reps. Vraiment. On va essayer de faire du squat, hein. Barre vide. À voir. Allez. C'est parti. Pour l'instant, ça va. Parce qu'il y a rien sur le bas. Par contre, moi, avec le squat, j'ai pas de technique de low bar, de trucs comme ça. En fait, moi, quand j'ai fait de la muscu, ça n'existait pas, ça. Low bar, barre basse. En fait, le SBD, il a tout niqué. Et moi, je suis pas mec du SBD, moi. Moi, c'est le squat traditionnel. Je pense que ça ira. Ça va. On va mettre 60 kilos. Je vais commencer à mettre mes bandes là pour les genoux. Et on va voir comment ça va se passer. Là, j'ai mis 60 kilos sur la barre. Tranquillement. Je vais mettre mes chaussettes pour les genoux. C'est, tu vois, c'est comme les trucs SBD, mais c'est pas la marque SBD. C'est de la marque MyProtein. Je sais plus s'ils les font encore. Ça va, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. J'espère que j'ai ramené les deux, hein. Ouais, j'ai ramené les deux, parce que sinon, fin du film. La ceinture. Je vais voir après, parce que là, c'est 60 kilos. 60 kilos de base, c'est une charge d'échauffement, tu vois. On verra après pour la ceinture. Ouais, mon sac il va même plus se fermer. Les gars, c'est pas la semaine, je vois quoi? Je vois une meuf à la salle. Elle prend du pré-workout. Elle pleure. Elle prend du pré-workout et elle pleure. Je crois qu'elle a pris une dose élevée. Elle a dit j'ai mal à la tête, commence à pleurer, commence à dire mais pourquoi j'ai fait ça? Pompiers sont venus tout. Incroyable. Basic fit. Ça je vous dis les gars, ici c'est n'importe quoi. En fait, ici les gens, ils regardent des vidéos YouTube et font pareil. Traînez-vous d'abord. Entraînez-vous. C'est bien de voir des mecs chargés ou des meufs chargées faire des trucs, mais entraînez-vous d'abord. C'est le plus important.
quand tu vas bien t'entraîner, là, tu pourras faire le con. Tu pourras faire des trucs où tu vas faire des mélanges, voilà, tu vois. Tu pourras prendre des doubles doses de pré-workout. Là, tu seras agréé, tu seras apte. Et ceux qui me suivent là, sur YouTube et tout, si vous regardez Corona Gym, c'est bien. Hein. Mais faites pas ce qu'ils font. Clairement, ne faites pas ce qu'ils font. Ils font de la merde. Ah, faut dire les choses. Les gars, ils font n'importe quoi. J'en ai parlé sur Insta. Ces mecs-là, c'est des dangers. En plus, j'ai vu, ils vendent des programmes. Je pense que je vais en vendre aussi, c'est bon. Je vais faire des suivis personnalisés. Dans quelques jours, là, je sortirai une vidéo sur Insta. J'ouvrirai des places pour des coachings. On va voir comment je vais transformer des gens en monstres. Déjà, juste avec mes programmes gratuits, il y en a, ils se transforment. Mais si je prends une personne et je fais des programmes adaptés à leur morphologie, à leurs insertions et tout, là, c'est terminé, les gars. C'est fini. Allez, c'est parti. Balancer. Hop, une petite série. Est-ce que le focus est fait sur moi, là? C'est bon. Le focus est fait sur moi. Balancer 10 reps. Voir comment je me comporte avec le banc. Allez. C'est parti. 1. Allez. 2. 3. Allez. 4. 5. 6. Ça va être à 8. 7. 8. 8. J'ai vu des vidéos de squat où on m'a dit, enfin, où clairement il disait à l'échauffement, faut mettre un peu de vitesse dans les squats. Moi, j'ai l'habitude de bien contrôler ma descente et tout, ce qui fait que les petites charges comme ça, les petites barres, ça me fait mal, tu vois. Alors que normalement, je vais mettre de la vitesse dedans pour être bien. Mais avec mon genou, j'ai un peu peur de mettre de la vitesse, tu vois. Pour l'instant, elle est bien passée. Même si je sens un léger petit truc, tu vois, elle est bien passée. On va monter. On va monter. Je vais juste baisser ça. Parce qu'en fait, il ne faut pas tout le temps le garder. Tu le baisses pour laisser respirer tes genoux, le sang circuler. En plus, tu vois, quand j'étais comme ça là, mon pote il m'a dit je ressemble à Cell. Dans Dragon Ball Z. Des pieds de Cell. C'est n'importe quoi. En fait, tu vois, que on se vanne. Mais lui va voir lui. Je vais le vanner aussi. On a monté là. J'ai mis 80. 80. Là, ça fait longtemps que je fais 80 en squat. Hein. Ça fait longtemps. Vraiment. Donc, on va faire ça bien. Voilà. Mettre ceinture. C'est chaud, hein. Avant la ceinture, je la mettais à partir de 100. Tu vois, ceinture et les bancs et tout. Maintenant, on est des rescapés de guerre. On est obligé de se protéger avant. C'est comme ça. De toute façon, je suis pas là pour faire des 200 squats, des une rep. Je suis là juste pour muscler mes genoux, c'est tout. Normalement, ceinture plus bande, ça passe. 8 reps, ça passe bien. On va essayer de bien descendre. J'ai vu les rushs de la série d'avant. Ça va, mais je trouve que j'ai pas assez descendu, tu vois. C'est pour ça que c'est bien de se filmer aussi. Tu es sur les réseaux, tu fais du contenu, tu rigoles et tout, mais tu vois tes mouvements et tu te corriges. Ça, c'est important. Ok? Allez, c'est parti. On y va. Normalement, elle passe. Normalement, elle passe. 1. 2. 3. Allez. 4, 5,
6. Je vais m'arrêter à 7. Oh, je suis obligé. En fait, oh. Tu vois, les premières reps, elles sont bien passées. Et j'ai l'impression que si je fais que des une rep, je peux monter à 100, 140 et tout. Mais l'endurance de mes squats, c'est pas du tout ça. Du coup, je vais bosser ça encore plus. Déjà, je suis content parce que c'est un exploit. C'est vraiment un exploit. Mais je pense que je vais monter à 100. Peut-être faire 3 reps, je vois. J'ai envie de voir si mes genoux ils tiennent. J'ai envie de voir ça. Mais je suis dans un dilemme. Soit je monte, soit je travaille intelligemment. On verra. Déjà, on va se poser et on verra. Dans la muscu, tu seras souvent confronté à ce problème-là. Entre soulever lourd ou travailler intelligemment. C'est dur, hein, de dire non à son corps. Non, tu ne vas pas soulever lourd, tu vas soulever des charges moyennes ou des charges basses, mais tu vas travailler intelligemment. Ce qui est dur, c'est quand tu vois le monde autour, quand tu vois les perfs qu'ils font, quand tu sais les perfs que tu peux faire, tu vois. C'est super dur, franchement c'est super dur. T'es là à dire non, vas-y je vais mettre lourd, c'est pas grave, je vais me faire mal. Mais faut être intelligent les gars, faut être intelligent. Faut écouter son corps, ne pas faire n'importe quoi, ne pas dire vas-y je vais monter, ok. Faire les choses bien les gars. C'est pour ça que je mets les 100 kilos et je vais faire les choses bien. Allez c'est parti 100 kilos, c'est parti, on y va. N'oubliez pas que tout ce que je dis, tiens en compte si je prends pas de pré-workout. Là j'ai pris un pré-workout donc là les gars je dois faire 100. 20 kilos les gars, 20 kilos. Il n'y a que 20 kilos qui séparent 20 kilos, c'est rien les gars. Pour moi c'est rien. Pour un mec qui a pris du alpha pré-workout de chez MyProtein avec le code DAMS, c'est rien les gars. Par contre je vais bien serrer ma ceinture alors là. Plus respirer. Mais je vais être vigilant quand même. Si je fais que 3 reps, je fais que 3 reps. Mais il faut que je ressente les sangs sous la barre, sur mes épaules. C'est vital. Même si je fais une rep et elle passe pas, j'ai besoin de la sentir, tu vois. De base, je mets pas de musique. Je vais pas mettre de musique, non. Pas tricher. Si je mets de la musique, ça va passer, c'est sûr. Faut que ça passe sans musique. J'ai appris à m'entraîner sans musique. Faut pas que je la mette, tu vois. D'ailleurs, la musique, parfois, je la mets en semaine quand je suis à la salle. Parce qu'il y a tellement de pitres et tellement de clowns autour de moi que je suis obligé de mettre de la musique pour me mettre dedans, tu vois. Sachant que les gens, ils me parlent vite à la salle. Comme je me différencie physiquement des autres, bah, tu vois, moi, on me prend pour un coach, on me prend pour un mec qui va enseigner à tout le monde, tu vois. On me dit, hey, je fais bien mon mouvement et tout. Du coup, ça, comme ça m'énerve quand je suis dans ma séance et je suis focus, je mets mon casque. Parfois, il n'y a pas de musique, hein, mais je mets mon casque. Soit il y a une grosse musique sans parole, soit il n'y a pas de musique. Mais je m'entraîne, soit je suis focus et je fais ma séance bien. Parce que c'est important. Parce que déjà que la fatigue du travail et tout, il faut être focus, les gars. Quand tu vas à la salle après le travail ou après l'école, ou après une journée où tu as enchaîné, tu vois, il faut être focus. Parce qu'il y a tout qui te dit de pas aller à la salle, toi tu vas quand même, tu vois. Donc faut vraiment être bien. On va faire les 100. Ça va bien se passer. Allez. Là j'ai mis la caméra derrière pour essayer de voir mon mouvement. Mon mouvement soit bien. Ça, ma ceinture, je les mets à l'endroit. Parce que le problème, c'est que ça, c'est une vidéo. C'est bien, c'est pour YouTube et tout, mais c'est une vidéo que je vais analyser. Pour progresser dans mon squat. Allez. Ne se précipite pas. Fais les choses bien. Si je peux mettre de l'impulsion, je mets de l'impulsion. On y va. Allez. C'est une petite barre, ça. On y va.
Je peux pas aller plus loin. Assistant, j'aurais pu. Sans assistance, 3 reps. 3 reps. En vrai, il y a beaucoup de gens qui font leur saut comme ça. Hein, en top 7. Il y en a beaucoup qui font ça en top 7. Je pense qu'en top 7, je peux aller beaucoup plus loin. Mais là, je voulais juste voir, ok? Je voulais juste voir ce que ça donne. Franchement, je suis content. Ce qui me manque, c'est plus de la force et de l'endurance pour tenir ça. Du coup, là, on va faire les raisonnables, ok? On va pas faire que des 3 reps. Je vais remettre 80. Bien descendre, bien faire mes séries. Et ça s'annonce bien pour la suite. Franchement, je suis très content, je suis fier de moi. Vraiment, je suis fier de moi. Parce que je refais les 100 sans avoir mal aux genoux, sans crier dans la salle. Donc on va baisser, on va se traîner intelligemment. Et puis voilà, on va se faire encore 2 séries, 8 reps. Et puis, on va passer à l'exercice suivant. Ouais, c'est une charge d'échauffement pour beaucoup de personnes, 100 kilos au squat. C'est vraiment une charge d'échauffement. Il y en a, ils sont choqués vite. Si j'ai fait les pecs, c'est fini. Les gens s'entraînent plus. Ils regardent tout ce que tu fais. Est-ce que... Non, j'allais dire... Si je mets 5 kg de chaque, si je mets 90, mais non, j'ai pas envie. On va pas griller les étapes. Je veux un mouvement clair. Hop. Et que mes jambes soient renforcées le plus efficacement possible. Là, on est bien là. 80, c'est bien. 80 kg. Un jour, faut que je te montre. Je sais pas, je vais avec une GoPro, je la mets sur ma tête. Je te montre ce que les gens y font. Même si j'ai pas trop le droit de le faire. Mais il faut que je te montre. Comment les gens ils courent sur les tapis, comment les gens ils font leur exercice, les gens font n'importe quoi. Il y en a, ils réservent 3 machines. Tu vois. Chercher un poids de vin, il y avait une meuf et. Avec ces 3 machines, elle a dit elle tourne. Tu vois. Elle a la chance. Que je suis pas pressé là, je filme, ça va, j'ai un peu de temps. Mais quand je suis pressé, je donne ma séance, je menace les gens. Tu vois, je suis gentil, je suis un mec cool, mais quand ma séance elle doit être faite, c'est pas je suis sur la machine, non, je mets ma serviette dessus, c'est on tourne, c'est tout, pas de bonjour, rien. Parce qu'en fait, les gens faut les laisser faire. La salle là, tout le monde, tu réserves pas des machines, moi. Je réserve jamais des machines. Sur toutes les machines, même si demain tu me vois à la salle, tu me dis ouais, ça te dérange pas, je vais dire vas-y, on tourne. Même si on est 5 dessus, on va tourner. Tant que moi je suis ma série, c'est bon. Bon. 8 reps, hein. On descend bien, c'est important. Et on valide ça. Allez. Allez, c'est parti. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'essaie de mettre dans la pulsion, de mettre un peu de rythme dans le squat, sans trop me poser, sans trop me fatiguer. Ça me permet à la fois de travailler beaucoup plus mon endurance musculaire, mais aussi ma force, tu vois, parce que j'en ai besoin. Pour soulever plus lourd, être plus fort et faire des vraies séries, j'en ai besoin.
vais en faire encore une. Et on va passer peut-être à la presse là-bas là. Ouais. Mais les gars, vraiment, ça là, c'est les meilleurs hauts pour la muscu. Les hauts de footballeurs, tu vois. Parce que les footballeurs, ils n'ont pas de corps. Donc ils ont des hauts de compression et tout. Mais quand tu fais la muscu et tu les mets, c'est les meilleurs hauts, vraiment. C'est un haut Kipsta que j'ai. MyProtein, ils font des bons hauts, il y a le code d'âme, c'est tout. Mais Decathlon, Kipsta, t'as des hauts pas chers qui te mettent bien en valeur. Seul prérequis, faut avoir un peu de pec, un peu d'épaule et des bras, et là c'est terminé. Là c'est bien, tu te déranges dedans. C'est important, faut déranger. On va repartir pour la dernière. On va repartir. Essayer de mettre du rythme. Du rythme. J'ai du mal à dire ce mot. Comme tout à l'heure. Puis voilà. Mais je suis très content parce que mon genou faisait mal ce matin. Il faisait mal. J'allais à la salle. Dans le but, je me disais, putain, je vais devoir faire une séance dos ou une séance pec. On a déjà vu ça. Mais ça, c'est pour les prochaines. Tu vois, les prochaines séances. Là, il y aura des séances bras immersion où on va se faire mal. Mais je voulais faire les jambes. C'est important. Il n'y a pas beaucoup de séances jambes sur ma chaîne YouTube. Pour une bonne raison. Et je voulais vraiment faire cette séance jambes. Et là, je la fais. Je suis content. Je ne la fais pas avec les charges que j'aimerais faire. Mais je la fais. Je suis content. Allez. Sachant que, en bossant les jambes, tu vas exploser toutes tes perfs après pour le haut du corps. Allez, on y va. Un, deux. Oh, trois. Oh, quatre. Oh, cinq. Allez. Oh, six. Oh, sept. Last. Ouais. 8, ok. Oh. 8 je dirais pas mais j'ai tellement mal, mais je suis content d'avoir mal, c'est la bonne douleur, vraiment. On va déménager nos affaires et aller sur la presse bizarre de Basic Fit. C'est parti. J'ai jamais fait cette presse, jamais. J'aime pas comment elle marche. Ok, c'est bon, je sais comment elle marche. Bon. Ok. Ah, je l'ai resté bloqué là. Bon. Presse. Je suis pas très fort à la presse. Jamais été fort à la presse. Là pour l'instant j'ai mis 2.20. 2.20, je vais faire 20 reps tranquillement. Puis voilà. Presse c'est important. Machine qui me faisait très mal au genou aussi. Là je pense qu'avec tout ce que j'ai fait ça va. Je vais essayer de charger juste après. Pas mettre très lourd, mais on va faire les choses bien. Là, tu vois, là c'est magique. Hein. On a fait du squat aujourd'hui. On va faire de la presse. C'est pas une vraie presse, mais on va faire de la presse. Et puis voilà, d'ailleurs, je sais même pas comment elle s'appelle. Leg press, c'est marqué dessus, mais non, c'est, je sais pas si c'est une presse verticale, une presse haute, une presse basse. Je sais pas. Mais on va faire les choses bien. C'est parti, allez. 20 reps. Allez, 8,
9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, 18, 19, 20. Oh. 20 reps, ça fait mal quand même. Oh, c'est incroyable. Bon, y a rien. On va monter au niveau des poids. On va voir. En fait, tu vois, la presse, c'est une machine qui vide ton énergie pour rien. Ça fait mal. T'as envie de rien faire après. On va mettre deux poids de 20 de chaque côté. Et c'est parti. La presse, j'ai l'impression que c'est génétique de fou. Hein. La première fois que j'en ai fait, c'était au collège. Non, au lycée, pardon. On avait une salle de muscu dans le lycée. Et musculation, c'était une matière, tu vois. Musculation, c'était une matière. J'avais 20 sur 20, bien évidemment. Et à la presse, la première fois que tout le monde a fait de la presse, il y avait certaines personnes qui arrivaient à mettre plus de 200 kilos. Et d'autres personnes comme moi qui galéraient avec les 100 kilos, tu vois. Donc génétiquement, ils ont de la force dans les jambes de fou, tu vois. Et d'autres comme moi, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est pas une raison pour dire bon, j'ai pas de force, c'est comme ça. Faut les bosser quand même, tu vois. Mais il y en a, ils sont avantagés génétiquement de base. Allez, c'est parti. 8 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, 10. Je sais pas, la presse fait combien de kilos, mais elle est légère. 20, 30, 40. 60 kilos. Tu vois le temps que j'ai mis pour calculer 60 kilos? Ça, c'est-à-dire, je suis vraiment fatigué. On va mettre encore des 20. Parce que là, c'est trop léger, là. C'est vraiment trop léger. C'est dommage qu'ils n'ont pas la vraie presse. Tu vois, la vraie presse où t'es vraiment bien, où t'es vraiment bien, bien couché et tout. C'est similaire, mais bon, les sensations ne sont pas les mêmes. Tu sens que c'est plus facile, tu vois. C'est une presse flatteuse. Une presse où tu pourras vraiment mettre beaucoup de poids. Et puis voilà, c'est tout. Oh. Mais moi, mon but, c'est pas de charger. Mon but, c'est de muscler mes genoux. Par contre, je vais essayer de respirer un peu mes genoux. On va les protéger un peu. Boire de l'eau. Et repartir après. Les gars. Je sais pas si vous prenez les boissons là. Tu vois les boissons dans les salles.
Yanga, tout ça là, où tu passes ta carte et une boisson. J'ai bossé à Néoness. Nos boissons, il y en a, c'était périmé, tu vois. Mais c'est une DLUO, c'est pas une DLC. DLC, c'est date limite de consommation. DLUO, c'est date limite d'optimisation optimale. Ça veut dire que le produit était périmé, mais tu pouvais le consommer. Le seul truc qui change, c'est que le goût, il n'est pas pareil, tu vois. En fait, c'est le produit perd en goût. Le goût devient un peu plus bizarre, mais c'est comestible. Nous, c'est dépassé de 4-5 mois, moi, tu vois. On donnait quand même aux gens. Moi, tu vois, un jour, j'ai dit à mon manager, ouais, c'est pas normal, c'est... Il m'a dit, si, on donne. Je fais, ok. Mais je disais aux gens, à ta place, j'aurais pris de l'eau, j'aurais pris mes BCA chez MyProtein ou ailleurs, tu vois. Mais prends pas la boisson maudite. C'est pas bon. Du coup, j'ai peur. Quand on me propose, je fais non, pas envie. Vraiment. Parce que je crois que c'est 5 balles en plus sur ta carte ou 4 balles en plus. Mais c'est un truc que tu payes tous les mois. Tu vois? C'est pour boire du jus périmé. Pas envie. Vraiment pas envie. Et là, on est à 8 minutes, hein. Depuis que je suis venu sur la presse, on est à 8 minutes, c'est incroyable. La vidéo va durer 1 heure pour de vrai. Hein. En même temps, vous avez dit que vous voulez écouter toutes mes conneries. C'est que votre faute, les gars. J'ai fait un sondage sur ma vidéo, vous avez dit. C'est votre faute. Allons, on y va. Là, il y a 20, 40, 50, 60, 170, 80. Quoi? Attends, putain. Y a 120 kilos là. On n'a pas 120 kilos. Vas-y, je suis fatigué. De toute façon, j'ai envoyé. Il y a trois plaques de 20 de chaque côté. J'ai pas envie de faire de calcul bête. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va acheter une quatrième plaque devant encore. C'est bon. Et je vais voir si je peux changer d'angle là. Je vais voir ça. Si il n'y a pas de PNJ qui ont passé derrière moi là. Comme j'ai dit, je vais mettre une quatrième plaque devant. Et ça me permet de jauger la force que j'ai à mettre sur cette machine. Pour l'instant, je suis content. Hein. Après, mes jambes, je les ai travaillées entre temps. J'ai pas complètement lâché les jambes. Ce que j'ai lâché, c'est le squat et la presse. Donc, la force que j'ai récupérée avec le leg extension et le leg curl, bah là, je suis en train de l'avoir. Justement, je suis en train de l'avoir avec les plaques que je mets. Encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que c'est une presse généreuse. C'est-à-dire que c'est une presse où tu mets des poids. Et j'ai l'impression que ça t'aide un peu, tu vois. Donc là, on est bien. Hein. 20, 40, 60, on a 80 de chaque. On est bien. On va voir ce qu'on peut faire avec 8 reps. Toujours. Et mes pieds sont relativement écartés, tu vois. J'ai pas les pieds serrés pour l'instant. Je fais de la presse traditionnelle. Tout ce qui est presse serrée, presse pierrot et tout. Pour l'instant, j'ai pas envie. Allons, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça commence à faire mal là. Ça commence à faire mal, mais pas assez, tu vois. Quand je dis ça commence à faire mal, c'est que je peux faire ça en série de travail.
Mais si je rajoute encore un 20, je serai à 100 de chaque temps. 20, 40, 64, je serai à 100. Et comme pour les squats, je suis obligé, les gars, de faire à 100. Je suis obligé. 100 kilos de chaque, ça fera 200 à la presse. À la presse de Basic Fit. Donc, on va mettre ça. On va mettre ça. Allez. On va tester la 100 de chaque. Voir si ça passe. D'ailleurs, je sais pas si c'est comme ça dans vos Basic Fit. Mais moi, dans les deux Basic Fit où je suis, à Saint-Etienne, dans les toilettes, il y a des morpions et des mots croisés. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont taguer sur les murs des mots croisés, des jeux de société. Pour quand tu pisses, tu peux jouer, tu vois. Il y a des parties en cours et des parties finies. C'est n'importe quoi, les gars. Faut arrêter de faire ça. Qui a le temps de pisser et d'avoir un couteau et taguer sur le mur en même temps? C'est n'importe quoi, les gars. Faut arrêter. Les toilettes des hommes, c'est un jeu. Toilettes des femmes, j'ai jamais vu, mais c'est n'importe quoi. Allez, on va essayer d'envoyer ça. 100 kills. En plus, on a un bon temps de repos là. C'est parti. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Je me suis aidé de mes mains. J'ai poussé un peu avec mes mains, mes jambes. Ça veut dire que c'est trop lourd pour moi. J'ai fait 8 reps, c'est bien. Mais comme j'ai poussé avec mes mains, c'est pas des reps valides. Les autres reps, j'ai mis mes mains aussi. Mais là, j'ai poussé un peu. Je me suis aidé. Donc là, ça montre que c'est bien. Je peux les pousser et tout. Mais il faut que je m'entraîne encore. Avec 3 plaques, c'est bien. 3 plaques, 3,5, 3 plaques de 20, une plaque de 10. Là, je pourrais bien m'entraîner. Et à la fin, on va remplir le rack et se mettre bien. Mais moi, c'est bien, je peux me jauger, je suis content. Je vais rester sur ça à la presse. Je vais faire du soulevé de terre, jambes tendues. Et puis voilà, on va retourner là-bas où on était tout à l'heure pour le squat. Et faire du soulevé de terre, jambes tendues. Pour travailler les ischios, mais aussi les lombaires. Soulevé de terre, jambes tendues, très bon exercice. Par contre, là, je reste à 60 kg. Donc, hein, la dernière fois, j'ai mis 100 kg. J'ai pris un step, j'étais sur le step, j'ai fait ma série et tout. 4 fois 10 répétitions à 100 kg. Ça m'est fait mal dans la séance. J'avais mon casque, musique, tout. Et fléchisseur de la hanche, plus lombaire bloqué pendant 3 jours au travail. Ça veut dire que j'avais même plus à marcher. En fait, je marchais, j'étais penché, j'étais comme ça au travail. Les gens m'ont dit, oui, mais t'es en arrêt maladie et tout, je sais pas quoi. Je suis en période d'essai. Il n'y a pas d'arrêt maladie à cause d'une séance de muscu. Ok? Donc là maintenant, 60 kg, c'est largement suffisant, ça bosse bien. On va prendre notre temps pour avoir plus de ressenti, de sensations. On se muscle les lombaires, plus les ischios, parce que c'est important. Ok, là je vais prendre 2 steps, on va faire ça tranquillement. Ça je peux baisser parce que ça ne tient pas mes genoux. Cette machine, enfin cet exercice plutôt. Et puis voilà, une prise large. Regardez. Le corps droit. Et puis voilà. On commence avec un petit soulevé de terre. Et c'est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. 7,
8, 9 et 10. J'ai enlevé mes chaussettes de sel là. Ça commence à me. Non, je vais mettre comme ça, c'est bien. Parce qu'en fait, ça me gratte. Voilà, comme ça, c'est bien. Et où ma gourde? Elle est là. Elle va prendre. Franchement, renforcer ses lombaires, c'est important, les gars. C'est important. On doit être solide. Comme j'ai dit, pour le foot américain, on s'entraîne. Ça fait 5-6 entraînements et 2 matchs que j'ai pas pu aller à cause du taf. Parce que les gars, je priorise mon taf au sport. Le taf, ça paye le loyer, ça fait vivre. Le sport, c'est une passion, c'est bien, c'est marrant. Ça paye pas le loyer. My Protein, ça me nourrit. Donc là, à la salle, on se donne à fond. Mais le foot américain, c'est plus une passion qu'autre chose. Donc si je peux pas aller en entraînement parce que je suis au travail ou parce que je dois bosser pour MyProtein, le travail, les gars. On va repartir. Allez. Ça fait mal. Avec tout ce qu'on a fait tout à l'heure, ça fait mal. Au niveau du temps de repos, je le compte pas. C'est quand je me sens prêt à repartir et je repars. Au début, c'est bien et tout. Mais là, comme mon but, c'est être endurant et être fort, avoir un bon renforcement musculaire au niveau des jambes. Il n'y a pas d'hypertrophie, il n'y a pas de vas-y, je pars à 1 minute, 2 minutes de repos, non. Quand tu te sens bien, t'es un peu fatigué, mais tu sens que tu peux repartir, tu repars, clairement. Là où je vais prendre plus de temps de repos, c'est pour les squats, press, là où tu charges beaucoup. Mais là, les trucs comme ça, là, dès que je suis bien, tranquille, je repars. Par exemple, là, je suis fatigué, mais je sens que je peux repartir. Et je vais repartir. Allez. On y va. Un. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Et t'as 8. 7. 8. Entre 8 et 10 reps toujours. 8 et 10 reps. On est bien. Contrairement à la dernière fois, là, il n'y aura que du training. Enfin, il n'y aura qu'une seule jambe. Il n'y aura pas une vidéo que je vais faire après pour les Reels. Parce que le dernier entraînement immersion, je fais ma séance, full body. Et après, j'ai changé de tenue. Et j'ai fait des Reels et tout du contenu vertical. Là, c'est mort, là, je suis sans jambes, je rentre. J'allume la play, c'est terminé, tu m'entends plus. Donc là, on va se mettre bien. Il manque une dernière. D'ailleurs, le micro, je crois, il frotte un peu contre ma tête. J'espère qu'on va pas entendre des frottements, sinon c'est pas grave. Hein. Vous entendez des bruits de griffes. Dernière. 8 reps. Allez. Alors, franchement, je suis.
fatigué un peu. Je sais pas si j'aurai un peu de force pour faire les fentes. Je vais voir. Allez. Demain, je vais même pas marcher au travail. Heureusement, je commence à midi. Comme ça, dernière 10, 8, 2, 9, 10, très bien. Oh. J'ai un mauvais grip. Je tenais la barre avec mes doigts et pas vraiment avec mes mains, tu vois. C'est pas bon, faut que je travaille mon grip. Ça, c'est à cause de la fatigue, ça. La fatigue me fait avoir des mauvais réflexes avec mes mains. Il faut que je travaille ça. On va bosser ça. Les fentes, ça va être dur, les gars. Ça va être dur. Ça va être dur. Parce que ça fait mal. Je sais de faire des fentes statiques. Parce que la caméra DJ, elle n'a pas un bon autofocus. Ce qui fait que si je m'avance, si je me recule, je serai flou. Regarde. Là, je vais avancer. Normalement, je me vois pas. Mais là, normalement, je suis flou. Mes jambes, elles sont floues, tu vois. Si je monte le shaker, elle est floue. Tout est flou, tu vois. Et si je reviens là, là où je fais mon point de base, bah là, je serai bien, tu vois. Donc, je pense, fente statique, ça va me fumer, ça va m'arracher, mais on va le faire, hein. On n'a pas le choix, les gars, on est en repos, on est là pour se faire mal, on va se faire mal. Je vais remplir ma bouteille, enfin ma gourde plutôt, décharger la barre et prendre deux poids, hein. Je vais pas prendre lourd, hein. 18-20 kilos. C'est parti. Fente. Fente, les gars. Fente. Qui fait des fentes en 2023, là? Bon. Fente statique. Je vais remettre mes chaussettes de sel. Parce que ça tape les genoux, les fentes. D'ailleurs, en parlant des fentes, j'avais fait des fentes avec des Tchétchènes. Des Tchétchènes fous. On faisait des fentes, on faisait des allers-retours, tu vois. Et à chaque pas, à chaque fente, il disait le nom d'une ex, tu vois. Et il criait fort dans toute la salle. C'est-à-dire, tu entendais des « Émilie, Jasmine ». C'était incroyable. Tu entendais des noms de meufs forts. Il disait des noms d'ex. J'ai fait, non, vous êtes des fous. Ils m'ont dit, allez, dames, toi aussi. J'ai dit, non, moi, je suis un mec sain, tu vois. Moi, il n'y a pas d'ex. Moi, je disais rien du tout. En fait, tu vois, comme ils étaient chargés, leur cerveau ne tournait pas rond. Donc, ils partaient loin. T'entendais des Joséphines. J'ai dit, attends, toi, t'es là, t'as mon âge. Tu tapes des Joséphines. C'est-à-dire que tu tapes des MILF. Joséphine, 20 ans, t'appelles Joséphine. Ta vie, elle est finie, hein. Vraiment. Allez. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6, je vais refaire 8, c'est mort. 7, 8,
Les gars, ça me fait trop mal, les gars. Ça me fait vraiment trop mal, là. Une. Deux. Je préfère faire marcher, vraiment. Trois. Allez. Quatre. Ah. Cinq. Ouais. Six. 7, dernière. 8. Alors, là, je vais prendre du temps de repos. Je te cache pas, je vais faire 2-3 séries. On va pas en faire 4. En plus, j'ai pas rempli mon eau. Ah ouais, c'est terminé. Elle est fente, les gars, c'est le pire exercice du monde. Le pire. De toute façon, dans mes programmes maison, tu l'as vu, hein, je faisais des fentes. Je faisais des blagues et tout, mais je voulais que finir les fentes. Vraiment. C'est important, faut les faire. Faut les bosser. Mais là, on a fait du squat, là, c'est bon. On a fait du squat, on a fait de la presse. C'est bon. Sachant que. Je sens que ce genou-là me fait un peu mal, tu vois. Donc, on va essayer de faire 3 séries. On va essayer. Je peux m'arrêter à 2, mais on va essayer de faire 3 séries, au moins. En plus, j'aime pas d'eau. C'est embêtant, ça. Oh. Là, ouais, je tends de repos. On va rester allongé un peu. Mais ouais, je peux pas faire des fentes en criant des noms de meufs. Mais quand je dis, c'était incroyable. En plus, tu vois, la salle est résonnée un peu. Tu vois, la salle est résonnée. Eux, ils criaient. C'était trop. C'était trop. Et ces mecs-là, tu vois, ils étaient deux. Ils étaient deux. On s'entraîne à Honor. Et un jour, ils s'entraînent dans la salle femme, tu vois. En fait, à Honor Fitness, si tu t'entraînes pas là-bas, si tu t'es jamais entraîné là-bas, il y a une salle, enfin, il y a un espace Only Ladies, pour les femmes, c'est tout. Ces gens, ils ont vu une salle rose, avec que des trucs de rose, ils se sont dit, on va se mettre torse nu, on va faire notre séance dedans. C'est des fous. En fait, tu vois, le produit, il te rattrape. Au bout d'un moment donné, le produit, quand tu es instable, quand tu te laisses envahir, ils te rattrapent. C'est les mêmes gens qui parlent tout seuls dans leur séance, tu vois. Aucune pudeur, rien. Quand ils sont dans le miroir, ils descendent leur short jusqu'à la limite. Jusqu'à la limite, tu vois, presque sa boule, tu vois, quand il descend, il roire son V. Mais ils s'en tapent devant le miroir, devant tout le monde, dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent voir ça, tout. Il faut des posings en slip. C'est trop, les gars, c'est trop. En fait, tu vois, Honor, c'est une bonne salle. Mais les gens atteints par les produits, parfois, ils vont dans des extrêmes. Ici, tu verras jamais ça, Basic Fit. Basic Fit, parfois, tu fais un posing, on peut te dire stop, tu vois. Ça suffit. Si tu retires ton haut, stop. Là, t'as une alerte, on fait un appel micro, on vient te chercher. Mais Honor, on te laisse faire beaucoup de choses. Et ça, c'est un peu l'inconvénient des Honor. Bon, je vais remplir ma bouteille My Protein et on va repartir. Oh, allez. Pourquoi j'ai pas fait une séance haut du corps? Pourquoi? Allez, c'est parti. 8. Oh. 1, 2, 3, ouais, 4, 5, 6, 7, 8, allez, fais ça bien,
2, t'es pas n'importe qui, allez. 3. 4. 5. 6. 7. Dernière. 8. 8. C'est bien. Au niveau des poids, j'ai pris 16 kilos. Je suis bien. Je voulais prendre 20, après j'ai dit non. 16 kilos, c'est bien. Franchement, ça fait mal. C'est vraiment mal. Vraiment, vraiment. Oh. Peut-être à la fin de la séance, je vais pas filmer, mais je vais faire un peu les triceps. Parce que en ce moment, j'essaie de rattraper mes triceps par rapport à mes biceps. Parce que je trouve que j'ai perdu des bras. En fait, quand je mets mon haut de taf, il y a un beau rendu, mais il n'y a pas le rendu que je veux, tu vois. Je suis pas balèze comme je veux. Et au taf, il faut que je sois bien dans mon haut, c'est important. Déjà, on m'a donné des vêtements larges. Et comme donne des vêtements larges, c'est une mission, c'est une mise à l'épreuve, tu vois. Il faut que tu remplisses tes vêtements du taf, les gars, c'est important. Il faut que quand les clients sont virulents, faut que tu n'aies pas besoin de crier. Moi, j'ai besoin de crier et j'aime pas crier, tu vois. Donc là, après, on va prendre une poulie, faire les choses bien. Et puis voilà, ça va bien se passer. Franchement, les gens, ici, ils font des mouvements qu'ils ne maîtrisent pas. Ils font n'importe quoi. Au lieu de faire des mouvements simples pour travailler un muscle, fais un truc simple, tu vois. Fais pas n'importe quoi. Il y a des mouvements adaptés, des mouvements cool. Fais pas des mouvements avancés. Tu vois, mes entraînements, ils sont simples. Des mouvements simples, des entraînements fonctionnels. Tous les trucs avancés et tout, je peux les faire, mais ça me procure moins de sensations que les mouvements simples. En fait, j'ai l'impression que les mouvements avancés en musculation, tout ce qui est un peu complexe, c'est bien quand tu as du muscle. Parce que quand tu as du muscle et tu fais ce mouvement-là, tout ressort bien, tu vois. Alors qu'il n'y a rien de mieux que des mouvements simples et fonctionnels. C'est pour ça que quand je vais me mettre à faire des programmes pour toi, si tu veux me suivre en programme, tu auras des mouvements simples, fonctionnels, avec des bons temps de repos, des bons tempos, des bons trucs, tu vois. Parce que c'est important. On en a fait deux, on va en faire un troisième, mais je pense que c'est bon. Hein. Pour cette séance jambes. Moi, je massacre mes triceps, et ouais, je pense que c'est bon. Donc, on va faire ça bien. C'est parti. Là, tu vois, le temps de repos, là, il est hyper long. La vidéo, elle dure 4 minutes. Je pense qu'on a dû prendre 3 minutes de repos. Tu vois, c'est comme ça. T'as mal, tu te reposes. Clairement. Allez. Arrache-moi ça. Fais ça bien. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, le genou ne doit pas toucher le sol. Allez. 1, 2, 3. Pour mettre une musique de merde ici. Allez. 6. 7. Et 8.
Non, moi, t'entends pas. Parce que j'ai mis une isolation de voix et de musique. T'entends pas les musiques de la salle. Mais y a des musiques de merde, vraiment des musiques nulles. Des musiques qui donnent pas envie de s'entraîner. Des musiques de radio. En tout cas, on a validé la séance, on a fait les choses bien. J'espère qu'on m'a bien entendu de cette séance. J'espère que t'as kiffé cette séance. Si c'est le cas, mets un j'aime, un commentaire. Merci beaucoup pour les soutiens. Ça fait plaisir. Chaque dimanche, je te ferai une séance immersion ici. Et puis voilà. T'as le code d'âme sur MyProtein. Si tu veux me soutenir, j'essaierai de voir comment je vais mettre en place les programmes, les suivis avec moi en musculation. Et puis voilà, on va faire les choses bien. En tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien. Merci beaucoup encore pour la force. Et à la prochaine pour la suite.